Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc dans le squat derrière Megastop pour ceux qui le connaissent. Alors un squat qui est occupé par des personnes en situation irrégulière depuis pas mal d'années. Quand même aujourd'hui vient l'expulsion. Ces personnes avec des enfants justement nous ont appelé pour essayer de venir voir la situation. Donc là en ce moment sous la pluie ils sont priés donc de sortir aujourd'hui. La personne qui va parler avec nous, quien va hablar conmigo? Tú le vas a una pregunta, dígale que está en condiciones precarias, que no se llega a salir, sino que nos den más tiempo nada más. Alors voilà, donc on va parler avec la dame. Buenos días, su nombre por favor. Buenos días, mi nombre es Yahaira Rojas. Yahaira Rojas. Alors Yahaira, hace cuánto tiempo que usted vive aquí? Combien de temps que vous vivez dans ce squat? Yo tengo 3 años y 3 meses. Yo estoy en el squad hace 2 años, pero yo en el squad estaba pagando arriendo. Ça fait donc 2 ans que vous viviez dans ce squat. Vous nous dites que vous payez un loyer, pardon. Du coup, ce loyer, vous le payez à qui? Puisque du coup, c'était un squat. A quien paga ustedes el alquiler? Sabiendo que... Yo le pagaba a alguien por ahí, pero no puedo decir el nombre. Okay. Donc, oui. Alors on est bien d'accord en fait, dans ce genre de squat il y a des personnes justement qui prennent en premier ce squat, cette chambre, et après ils le sous-louent, et c'est ce qui s'est passé avec elle. Donc elle ne veut pas parler de la personne pour ne pas avoir de soucis, mais on comprend notamment cette situation. Donc ok, aujourd'hui la police est arrivée. La police vous avait dit qu'ils allaient vous expulser aujourd'hui. Ils avaient donné cette date d'aujourd'hui. La policía les había dicho a ustedes que las iban a sacar hoy. Exactamente, les habían dado un preaviso. Ellos nos dijeron hace 2 semanas solamente, pero de boca. Nosotros les hemos dicho que nos dieran el papel de desalojo, y hoy fue que nos dieron el papel de desalojo desde el 2019, del 2020, y de ahí no nos han dado más papeles. Es algo inhumano lo que están haciendo con nosotros en tiempos de lluvia. Yo tengo 2 niños escolarizados. Hay personas de la CTY que me dijeron que ellos no podían sacarnos de esa forma así, porque la ley francesa dice que los niños, aunque tengan o no tengan papeles, ellos los ayudan. Ok, donc la dame nous dit que ça fait 2 semaines qu'on leur a dit qu'ils devaient quitter les lieux. Du coup, 2 semaines, c'est un délai trop court en semaine pluvieuse. Alors je rapporte juste ce que la dame dit. Hein. Je rappelle que je ne prends pas position, je ne fais que traduire. Donc elle dit que 2 semaines, c'était trop court, qu'elle a ses enfants qui sont scolarisés et elles n'ont aucun endroit pour aller. Alors c'est tant bien, il y a des commentaires qui disent qu'ils seront sous-logés, enfin qu'ils seront logés par l'État. Justement, on va poser cette question. Ahorita los han sacado y les han dado una habitación temporal para ustedes poder ir en algún lugar, ningún día de temporada. No, en ningún momento ellos nos sacaron así, ale, ale, de todo el mundo, y no nos dieron habitaciones, pues teníamos derecho, así sea 3 días de hotel, tampoco eso, nos echaron como unos perros, como si nosotros fuéramos animales. Donc là, elle nous dit qu'on ne leur a pas donné donc aucune possibilité d'hébergement. Hein. Donc elle nous dit que non, qu'à aucun moment ça a été dit. Donc en ce moment, ils se retrouvent à la rue. Donc, ¿cuántas personas vivían en este squat? Combien de personnes vivaient dans ce squat? Vivíamos más de 20 familias aquí. À peu près 20 familles. Hein. ¿Dónde están esas personas? Ils sont où en ce moment? Hay algunos que se fueron por ahí a la deriva, no sé para dónde. Igual nosotros tenemos videos de las personas que estaban aquí reunidas. Vous avez des vidéos notamment des personnes qui étaient ici. Alors ces personnes qui vivaient ici, elles étaient tous en situation irrégulière. Todas las personas que estaban aquí estaban en situación irregular, sin documento. Algunos, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en asilo político y nunca me dieron casa, y pues puedo mostrar videos de que todavía los sirios están allá. La gente está botada allá porque a nosotros no nos dan casa y toca una rogadera para que a uno le den casa.
Entonces nos tocó venirnos acá estamos, pues pagamos un dinero por ese squat, pero pues así mismo ahorita no tenemos ayuda de nadie. Alors justement, ces demoiselles... Laura Cristancho. Alors Laura, elle s'appelle, elle nous disait que justement, elle, elle a l'asile politique. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'endroit où aller parce que donc c'est une procédure qui prend pas mal de temps. Et du coup, elle n'a pas pu donc trouver d'endroit. Le seul endroit qu'elle a pu éventuellement trouver, c'est ce squat. Ce squat qui est justement, comme je vous l'ai dit, elle devait payer un petit un loyer à des personnes qui squattaient avant elle et qui sous-louaient, ce qui est totalement illégal, bien évidemment. Donc, et ahorita, ¿qué piensan ustedes hacer? Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que... Où vous allez dormir ce soir? ¿Dónde van a dormir esta noche? ¿Qué van a hacer? No tenemos ningún lugar esta noche. No sabemos dónde vamos a dormir. Con esta lluvia no sabemos nada. Nadie nos quiere alquilar porque somos... Por lo menos yo tengo dos niños, mi esposo y yo. Los lugares no nos alquilan porque somos cuatro. Y de hecho, como no tenemos documentos todavía... Tenemos el dinero, pero nadie nos quiere alquilar. No sé por qué este pueblo es así tan malo. Alors, donc cette dame nous disait donc qu'elle n'a aucun endroit où dormir ce soir. Ils savent pas où dormir. Voici les enfants qui sont scolarisés, les demoiselles, ils ont aucun endroit alors que ils ont de quoi payer, mais personne veut leur louer parce qu'ils n'ont pas de documents, donc ils peuvent pas louer un endroit pour pouvoir dormir tout simplement. C'est ustedes de pronto los, estos días para poder dormir, ustedes han pensado en un hotel o algo para pues ver qué se puede resultar, o los hoteles son muy caros para ustedes? Los hoteles son demasiado caros aquí, y por lo menos mi esposo, hay días que le salen trabajo, otros días no. Si tenemos para pagar un arriendo, no tenemos para comida. Lamentablemente, nuestro país, Colombia, es un país donde hay mucha guerra, está en crisis en estos momentos, pero como el acuerdo de paz del gobierno de Santos, eso nos ha dañado a nosotros el proceso de asilo. Pero nosotros no somos culpables de los gobiernos tan corruptos que hay aquí en este mundo. Donc je leur ai posé la question pourquoi ne pas aller dans un hôtel. Ils nous disent notamment qu'un hôtel c'est trop cher et c'est vraiment compliqué. Alors j'ai réussi lorsque je suis arrivé à avoir un début d'explication par les autorités qui nous disent que le propriétaire de cette maison a enfin réussi à avoir un huissier et du coup a réussi à avoir un droit d'expulsion pour expulser ces personnes. Alors voilà, on va quand même essayer de montrer les images. Solo quiero mostrar las imágenes del squat. Voilà le squat qui se trouve ici. Vous voyez donc la policier, donc les policiers qui sont derrière. Il y a bien évidemment le huissier et toutes les personnes qui sont là pour expulser. Alors malheureusement, je n'ai pas le droit de rentrer pour filmer. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas avoir de plus d'éléments par rapport à la partie adverse, hein, parce que ça serait intéressant de pouvoir comprendre, hein, c'est tout à fait légitime que le propriétaire de cette maison veuille récupérer son bien, et on voulait bien évidemment avoir cette personne pour pouvoir avoir plus d'explications. Alors, quería hacerles una última pregunta, por favor. Justement, une dernière question. Lorsqu'on vous a donné un document, vous me dites, hein, et je rappelle que ce que vous dites n'engage que vous. Ustedes me dijeron ahora que cuando les dieron un documento, les dieron un documento, es solo una parte y la otra parte la rompieron. Donc, ustedes me dijeron que... Donc en fait, elles m'ont dit, ces dames, que lorsque on leur a donné un document, on leur a donné un document avec une partie et l'autre partie, elle a été déchirée. Alors je rappelle que ça n'engage qu'elles. Elles disent que la partie où il y a sur le document, où normalement on a, lorsqu'on expulse quelqu'un d'un squat, on a normalement le devoir de insérer ces personnes dans un endroit habitable, et encore si elles ont des enfants. Elles me disent que cette partie du document a été déchirée,
Vous me confirmez ça? Ustedes me confirman que justamente cuando les dieron ese documento, la parte donde dice que ustedes tienen que ser realojados, ¿fueron rompidas? ¿La rompieron? Sí, yo estaba firmando ahí el papel y lo que pasa es que apenas le dije que sí me podía explicar lo que decía porque estaba, no entiendo el francés y entonces me estaba... cogió el papel y se dio la vuelta y estaba rellenando y le dije que si por favor me explicaba y me dijo que no, que porque buscara traductor y lo que hizo fue romper, me dijo, no vas a conseguir traductor, entonces me rompió la hoja en la cara y simplemente le dije que las cosas no tenían que hacer así y fue muy grosero porque eso, y, o sea, arranca la hoja que les conviene y la que muestran, así como nosotros les avisamos en el 2019, en el 2020, sabiendo que pues para mí no fue así. Porque yo llegué en agosto. Alors justement, c'est ce qu'il confirme et je rappelle que tout cela est dit par rapport à ce qu'elles disent. On rappelle également qu'elles ne parlent pas le français et que les documents en question, elles n'ont pas pu les lire. Donc on ne va pas dire exactement, on va pas donc accuser sans avoir 100% de preuves. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles disent, c'est que lorsqu'elles ont donné dans leur score, on leur a donné des documents à signer pour l'avis d'expulsion, et ben il y a des parties du document que les officiers n'ont pas voulu qu'elles lisent, et lorsqu'elles ont demandé traduction, ils ont dit que non, et que du coup ils ont déchiré l'autre partie du document. Ok, vamos a terminar esta entrevista con un número de teléfono para las personas que puedan ayudarlas. Las pueden llamar éventuellement. On va donc terminer cette interview avec un numéro de téléphone que l'une d'elles vont nous donner afin de pouvoir que les personnes concernées, que ce soit des associations, que ce soit des personnes qui peuvent leur venir en aide, et notamment je sais qu'il y a pas mal d'associations qui peuvent nous regarder et qui peuvent éventuellement leur trouver un logement au moins pour ce soir, et je vous rappelle qu'elles sont avec des enfants, donc la priorité c'est celle-ci, et après bien évidemment, je vous rappelle que si il y a un droit de réponse, que si l'autre partie veut témoigner, éventuellement il n'y a aucun problème. Le propriétaire du squat, il veut témoigner, on est là pour lui donner la parole. Un numéro de téléphone para las personas que los quieran ayudar, que de pronto les puedan conseguir donde dormir esta noche. ¿Será que me pueden dar un número, por favor? 08-40-87. Es un celular, 06-94-08. 40-87. Lo voy a traducir. 06-94-08-40-87. Voilà, prenez donc contact avec cette famille si vous faites partie d'une association. Quisiera decir que yo todas estas dos semanas he estado buscando ayuda a las asistentes sociales, la más cercana, la CCAS. Fui a varias partes, pero me dijeron que no me podían ayudar lastimosamente porque no tenía documento. Pero mis hijos tienen 3 años estudiando aquí, según la CTY, que ellos me dijeron que el derecho mío era que me dieran documentos porque los muchachos estaban escolarizados aquí. Ok, bueno, está bien. Bueno, de todas maneras. Ouais, voilà. Donc, ok, bon, ben, vous voyez ce qu'il en est en ce moment. Donc, il faut que je recule parce que voici les camions qui... pardon. Donc, les camions qui rentrent pour déloger ces personnes. Voilà. Donc on est bien, je vous le rappelle, derrière le squat de Megastock, rue Pasteur. Donc la rue Pasteur, voici Megastock. Enfin, donc juste en face de Megastock, il s'appelle comme cela ce squat. Donc des années d'occupation de squat de justement de personnes qui vivent ici. Donc aujourd'hui elles sont délogées en pleine période de pluie. Donc voilà, on est venu pour essayer justement de donner la parole et essayer de comprendre à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont eu le numéro de téléphone, à appeler pour ceux qui peuvent venir en aide, notamment cette famille qui a ses familles, ses nombreuses familles. On vous rappelle qu'il y a plus de 20 familles qui vont être délogées aujourd'hui et du coup qui sont avec des enfants. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Radio Pays.